Salut tout le monde, j'espère que la séance de lundi s'est bien passée, que la récupération s'est bien faite. Donc là aujourd'hui on va faire une séance toujours HIIT Muay Thai, donc on va essayer d'alterner des fréquences à haute intensité et des fréquences où aujourd'hui on va travailler un peu plus sur la résistance, donc des séries un peu plus longues. On va essayer de faire notre fil rouge du jour, c'est de faire 100 pompes, 100 relevés de buste, sans squat, et on va les faire par série de 20 répétitions. Donc, si c'est un peu trop dur, mettez pause, faites 10, une pause, recommencez 10 après. Mais le but, voilà, c'est de faire par bloc de 20 pour qu'on ait des blocs un peu plus longs pour travailler un peu plus la résistance, l'endurance musculaire. On va commencer tranquillement à sautiller sur place, toujours de façon bien relâchée. On essaye d'être bien souple sur les appuis quand on commence à sautiller pour bien venir débloquer les chevilles, venir activer un peu le bas du corps, le rythme cardiaque qui va s'intensifier, s'adapter. Donc là vraiment relâcher, tourne un peu les poignets, tourne un peu les épaules, on rentre dans l'activité tranquillement, tourne un peu les articulations. Là sur place, tranquillement, on vient faire pas de fesses, pas trop d'intensité pour l'instant. On essaye de bien ramener le talon le plus proche possible de la fesse en gardant le buste bien droit. Il reste bien gainé sur les abdos, le buste est bien droit et les talons viennent vers les fesses. Alors on revient. Sautille normalement. Maintenant, on vient lever les genoux tranquillement, pas très haut. Et pareil, le buste toujours bien droit. On ne penche pas le buste, on garde le buste bien droit, les abdos gainés. Et on se concentre en même temps sur la respiration. On sautille, là on vient partir pieds joints, pieds écartés, c'est parti. Là on peut commencer un peu à augmenter le rythme de travail. N'oubliez pas de bien respirer, bien vous oxygéner. Alors on sautille normalement. Et là on va repartir sur du talon-fesse, mais un peu plus intensif. Pendant 15 secondes, top, c'est parti. Là on accélère le rythme. Allez, encore, 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 encore. 5 secondes. Allez, top, on sautille, on relâche. On va faire pareil avec les levées de genoux. Voilà, pour l'instant, on sautille, on reste bien relâché. Encore 5 secondes. Et on va lever pendant 15 secondes les genoux. C'est parti. Allez, on court sur place, puis on lève les genoux. Buste bien droit. Allez, top. On sautille, on relâche. On va laisser un peu le bas du corps. On va venir se concentrer sur le haut du corps. On tourne un peu les bras pour débloquer. On va tourner dans l'autre direction. Et là, ce qu'on va faire, on va venir tendre les bras. On met les mains au niveau des épaules, pas trop haut,
pas trop bas, à peu près au niveau des épaules, bras tendus. Et avec mes doigts, je viens de dessiner des cercles sur le côté. C'est parti. Allez, les bras bien tendus. Et on tourne vers l'avant. On essaie d'aller chercher quand même les mains vers l'arrière pour rapprocher les omoplates. Donc les deux omoplates se rapprochent l'une de l'autre. On ne reste pas les bras vers l'avant, on ramène vers l'arrière. Comme ça, on sollicite les omoplates, les trapèzes aussi. Et en ayant les épaules hautes. On vient faire la même chose avec les paumes de main vers le haut et je tourne vers l'arrière. On fait des petits cercles et on tourne les épaules vers l'arrière. Ouais. Allez, on continue, on lâche pas. Ça commence à bien brûler les épaules, mais on essaye de continuer à tourner en se concentrant sur autre chose que sur la douleur. Encore 2 secondes, 1, 2, on relâche. Là on a fait travailler les épaules sur le côté, vers l'avant, sur le côté, là on va venir vers l'avant. Donc je viens les coudes serrés, on n'écarte pas les coudes, les coudes le long du corps, on vient toucher les côtes. Je tends les bras vers l'avant et je ramène les mains vers moi. Hop, hop, c'est parti. On projette les bras. Là, toujours pareil, le buste bien gainé, on reste bien droit. Et on se concentre sur la respiration, toujours. Allez, on continue. On garde bien les coudes serrés et bien chercher vers l'avant. Encore 20 secondes. Allez, on accélère 5 secondes. Et top, on relâche. On relâche bien les bras. Pour terminer de monter le cardio, ce qu'on va faire, on va venir envoyer les directs. Et en même temps qu'on envoie les directs, on coordonne le mouvement des jambes. Où j'envoie les directs, en même temps je lève les genoux. Comme ça. Ok. On va partir comme ça pendant 30 secondes. 1, 2, c'est parti. 30 secondes. On a bien les mains au niveau des yeux. Et on lève les genoux, on coordonne le mouvement des bras avec le mouvement des jambes. Allez, encore. Allez, top. Et là, on relâche complètement, on récupère pendant 1 minute, pensez à vous hydrater. On va partir sur les blocs de boxe dans 1 minute. Donc là pour l'instant on relâche, on s'hydrate, on continue un peu de réveiller les articulations si ce n'est pas encore réveillé. Et surtout on récupère avant de passer sur le premier bloc d'exercice. Là encore 30 secondes. Pense à bien respirer, on inspire bien en gonflant le ventre. On souffle en expirant. Il nous reste 15 secondes de récupération. Pour le premier bloc de boxe, on va venir travailler en enchaînement. Uppercut, uppercut en haut. 1, 2 et je descends. Crochet, crochet. Là, quand je descends vraiment sur les appuis. 1, 2 en haut et je redescends. 1, 2, je viens travailler sur les jambes. 1, 2, et je remonte. 1, 2, 1, 2.
Je remonte. Hein. Ok. C'est parti. Donc là, les hypercutes, on reste toujours les jambes un peu fléchies. 1, 2 et je redescends. Dès que j'envoie le deuxième hypercute, je redescends. 1, 2 et je remonte. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et je descends sur les jambes. 2 et on essaie de ne pas pencher. Hein. On ne descend pas que sur la jambe avant. On stabilise le poids sur les deux jambes. 1, 2, on descend sur les 2 et on remonte. 1, 2, je redescends et je remonte. Je vais encore, je remonte à la face. Je redescends, je remonte. Je redescends et je remonte. On essaie de garder les coudes bien proches du corps. On n'écarte pas les coudes ici. 1, 2, 1, 2. On garde les coudes près du corps et c'est le corps qui propulse les bras. Et on commence bien à descendre. Là, je suis position neutre, position fléchie. Neutre, fléchie. 1, 1, 2, 1, 2. On descend bien sur les jambes. On active les jambes, ce qu'on va faire après. La première série de 20 répétitions de squat. Donc on commence bien à activer, à descendre sur les deux jambes. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez encore, 1, 2, 1, 2. Allez encore 30 secondes, on essaie d'accélérer du coup. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On descend bien sur les jambes. Je remonte, je descends, je remonte, je descends. On travaille bien les jambes. On descend bien. Et on engage le corps. Et top, on relâche, on part sur la première série de squats. 20 répétitions. Tout de suite, c'est parti, allez, 20. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On vient sur du relevé de buste. Le relevé de buste, on va faire le premier juste sur le haut du corps, chute là, juste sur le haut des abdos, pardon, les mains au-dessus des yeux, je viens chercher au plafond, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, c'est super, on récupère 20 secondes seulement de récupération. C'est de récupérer efficacement. On se concentre bien sur la respiration. Deuxième exercice, on va travailler le blocage de la jambe arrière. Donc je pars, mon pied arrière part de l'arrière, revient vers l'arrière, je bloque avec ma jambe arrière, je ramène le genou vers l'extérieur, je repose et je reviens pousser avec la jambe avant. Vous avez vu mon buste qui reste droit sur les deux actions. La première, je bloque, je garde le pied à plat, jambe légèrement fléchie, je bloque. La deuxième, mon buste reste droit, je ne penche pas. Hop, j'ai reposé au même endroit que mon pied. J'ai reposé mon pied au même endroit et je reviens pousser devant. Je bloque derrière, je pousse devant. C'est parti. Allez, je bloque, je pousse. Je bloque, je pousse. Allez. 1, 2, allez, 1 et 2, 1 et 2, je pousse, hop, 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 je bloque, je reviens pousser, je bloque, je reviens pousser, on garde le buste bien droit, on contracte les abdos pour garder le buste droit et garder le corps bien en équilibre, ok? Là, si je ne suis pas gainé, j'aurai en plus de difficultés à garder mon équilibre. Là, je viens bloquer derrière, je repousse devant. Je bloque derrière, je repousse devant. Hop, je bloque, je pousse. Je bloque, je pousse. 1 et 2. 1 et 2. Hop, hop, hop. Je bloque, je pousse encore. 1, il y a encore 15 secondes. Je bloque. Je pousse, prends pas sur les pompes. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
je bloque, je repousse, je bloque, je repousse encore un, je bloque et je repousse. On passe sur la série de pompes, 20 répétitions. On démarre dans 3 secondes, 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Super, on repart. Deuxième série d'abdos, la même que la première. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on se redresse. On récupère 15 secondes cette fois-ci. Right. On réduit. Pour la prochaine, on revient sur le haut du corps. Donc on vient direct avant, direct arrière, crochet avant, direct arrière. Donc ça fait direct avant, direct arrière, crochet avant, direct arrière. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et on engage bien avec les jambes. C'est tout le corps qui engage les bras. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, direct, direct, crochet. Direct, 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 crochet et direct. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. On met du rythme. 1, 2, 3, 4. Les bras sont bien chauds normalement après la série de pompes. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, direct, direct. Crochet direct, 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 crochet direct. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. 10 secondes encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Super. On enchaîne sur les squats. 20. C'est parti. On respire bien. C'est parti. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là on repart sur le relevé de buste. La même série, main au-dessus des yeux, on vient chercher le plafond avec les mains, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Et on passe sur la série de pompes. Voilà, j'ai bien d'abord. Allez, encore 7 secondes et on passe sur les 20 pompes. 1, 2, c'est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Hop, on relâche. 10 secondes. Et on va partir sur jambes avant, middle, jambes avant. Je reviens pousser jambes arrière et je repose la jambe derrière. Là, je pars de devant, je repose devant, je pousse derrière, je reviens derrière. 2 secondes, 1, 2, c'est parti. Allez, je tape devant, je repousse derrière. Je tape devant, je repousse devant, je pousse derrière. Allez, 1 et 2. 1 et 2. Là, je tape devant, je repousse devant, je pousse derrière, je reviens derrière, je suis en position neutre. Hop, devant et je repousse. J'envoie, boum, et je repousse. J'envoie devant, je repousse derrière. 1 et 2. Allez, on continue. Encore 30 secondes. Hop, je repousse devant.
Enfin, je tape devant et je repousse. Je tape, boum, je repousse. J'ai tapé devant, je repousse. Jambe avant, je repousse jambe arrière. 1 et 2. 1 et 2. Super. 1 et 2. Encore 10 secondes. 1 et 2. Gardez les bras bien haut. 1 et 2. Encore 1. 1 et 2. Super. On repart sur le squat. 1, 2, 3. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben, on passe sur le dos. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on bascule en pompe. Dans 7 secondes, on respire bien, on récupère, c'est la troisième, quatrième pour les abdos, c'est prêt. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on récupère 10 secondes avant de passer au prochain. Le prochain repart sur un enchaînement de bras. On va venir uppercut arrière, uppercut arrière en haut, uppercut avant en bas. Et c'est parti. Là, je viens uppercut arrière à la face. Et je viens uppercut avant au corps. Là, en haut, je redescends sur les appuis, je viens en bas. 1, je monte. 2, je descends encore. Je monte à la face et je vais au corps. 1, 2, et on engage le corps. 1, 2, 1 et 2. Super. 1, et on continue. Boum, vous voyez mon bras. J'envoie le bras droit, j'ai le bras gauche en haut. J'envoie le bras droit, mon bras gauche, il reste en haut. Dès que mon bras droit, il revient, je descends. Et je pars, je reste protégé à l'opposé. Un côté, l'autre côté. Un côté et l'autre côté. 1 et 2, super. 1 et 2, encore. 1, 2, on garde les deux pieds au sol. 1, 2, on descend bien sur les appuis. 1 et 2. Encore, bon, encore 30 secondes. Uppercut, uppercut. Uppercut en haut arrière, uppercut avant. Encore, là je viens chercher le menton. Là, je viens chercher le foie avec le bras gauche. Menton et foie. Hop, je fais lever les bras. Boum, j'attire l'attention en haut de mon adversaire. Je lui fais monter ses bras. Je le touche au visage, je lui fais monter ses bras. Ses bras, ils sont remontés. Boum, c'est libre en bas, je vais me chercher en bas. Voilà, on travaille sur différentes hauteurs. Et encore 1, 2 et on repart. Quatrième série de squats, 20 répétitions. On essouffle un peu, 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Super. On va sur le dos. Dernière série pour les abdos. C'est bon pour tout le monde. C'est parti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, super. Et là, les pompes, quatrième série de pompes. Allez, encore 7 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Nickel. On relâche 10 secondes
Et là, on va venir sur un exercice pied, point. On va venir direct bras avant. Je frappe middle jambe arrière. Je reviens direct avant, direct arrière. Donc direct bras avant, middle jambe arrière. Je repose derrière. Je reviens dans la même position et je termine 1, 2 en ligne. C'est parti. Direct avant, middle arrière. 1, 2. Direct avant, middle jambe arrière. Direct avant, direct arrière. Direct avant, jambe arrière, et je reviens, 1, 2. Le but, c'est de bien venir se repositionner pour pouvoir enchaîner directement. 1, 2, je repose derrière, 1, 2, en face. Et là, je suis prêt à recommencer. 1, 2, je suis prêt à recommencer tout de suite, boum, et je suis prêt à enchaîner. Et on garde les bras en haut, 1, 2. Direct, middle, direct, direct. Direct, middle, direct, direct. Allez, encore. Direct, middle, direct, direct. On garde les bras en haut. Hein. On continue de travailler les épaules. Hop, hop, hop. On n'a pas les bras ici, hein. En haut. On continue de travailler les bras. On est sur la fin de la séance là. On lâche plus maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est pas pour abandonner maintenant. Là, on continue. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On continue. 1, 2, 1, 2. Encore une fois. 1, 2, 1, 2. Et là, on enchaîne directement la dernière série du coup pour faire les 100 squats et 100 pompes. Les 100 relevés de buste, on les a finis. Il nous manque juste les 20 derniers squats et les 20 dernières pompes. Et on aura fait 100, ça fera 300. Voilà. Encore 2 secondes. 1, 2, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben on récupère 10 secondes. Allez, 3 secondes, 1, et 2, et 3, et c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Et super, on relâche. Et voilà, on a fait notre fil rouge, il est terminé. 100 pompes, 100 squats, 100 relevés de buste. Voilà, une série de 300. On augmente un peu, du coup, les répétitions un peu plus longues. De temps en temps pour travailler sur la résistance, sur le mental aussi. C'est-à-dire que voilà, votre objectif, si vous n'arrivez pas encore à faire les 20 d'un coup, c'est voilà, d'arriver à pouvoir faire 20 répétitions d'un coup. C'est un bon objectif déjà. Et de les faire avec de la qualité surtout, c'est super important. Voilà, j'espère que vous avez fait une bonne séance, que ça vous a bien fait travailler, ça vous a bien vidé l'esprit aussi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se voit bientôt.